C'est à l'intérieur de la mairie que le bureau de vote a été installé. Ça sent encore la peinture fraîche. Donc vous voyez, horaire de bureau de vote. Donc c'est bien de 8h à 19h. Kaline Halimi, la maire de Castelmoron d'Albret, nous présente la salle avec son isoloir, son beau rideau et puis son urne. Toute neuve, enfin bon, elle a fait quelques élections déjà, mais voilà. 42 inscrits sur la liste, forcément le vote des voisins n'est plus un secret ici. On s'amuse un petit peu à faire des pronostics, on a chacun nos petits papiers, on note, et on voit à la fin si on se rapproche des résultats sur Castelmoron. Un jeu auquel jouait aussi l'ancien maire du village, Claude Hernandez. Très très souvent, je connaissais le résultat avant le dépouillement. Parmi ceux qui tiendront le bureau, Brigitte, qui va devoir s'occuper. Le journal pour suivre. On fera comme tout le monde, hein. On patientera. Hein. Mais notre doyenne viendra voter. Hein. C'est pas beau ça? Oui, c'est la fierté parmi les électeurs, la doyenne du village. Odette a 99 printemps et n'a pas raté une seule élection. Eh bien, il faudra bien que j'y aille. J'ai toujours voté. C'est un devoir? Mais ma foi, oui. Et à Castelmoron d'Albret comme ailleurs, il faudra bien attendre 19h ce soir pour commencer le dépouillement.